L'équivalence de deux propositions P et Q est la proposition P équivalent à Q qui est vraie si P et Q sont toutes les deux vraies ou fausses. Tableau de vérité de l'équivalence. Soit P est vrai, Q est vrai, alors l'équivalence est vraie. Si P est vrai et Q est fausse, alors l'équivalence est fausse. Si P est fausse et Q est vrai, alors l'équivalence est fausse. Si P est fausse et Q est fausse, alors l'équivalence est vraie. C'est-à-dire, si les deux propositions sont vraies, alors l'équivalence est vraie. Si les deux propositions sont fausses, alors l'équivalence est vraie. Exemple, donner la valeur de vérité de chaque proposition. Donc, soit N appartenant à N, soit A appartenant à R et B appartenant à R. A au carré égale à B au carré, équivalent à A égale à B. Donc, cette équivalence, elle est fausse et je vais expliquer pourquoi. Donc, je suppose que cette proposition est vraie. Regardez, on a moins 2 au carré égale à 2 au carré. Donc, cette proposition, elle est vraie. Mais est-ce que moins 2 égale à 2? Non, pas du tout. Alors, cette équivalence est fausse. On passe maintenant au deuxième exemple. N est un carré parfait. N est un carré parfait équivalent à racine carrée de n appartenant à n. Donc cette proposition, elle est vraie. Puisque si n est parfait, alors racine carrée de n appartenant à n. Si racine carrée de n appartenant à n, alors n est parfait. Les lois logiques. Donc la proposition P ou Q est équivalente à la proposition Q ou P. C'est-à-dire la disjonction est commutative. Pour la conjonction P et Q est aussi commutative, c'est-à-dire il est équivalent à Q et P. P et Q ou R équivalent à P et Q ou P et R. P ou Q et R équivalent P ou Q et P ou R. P implique Q équivalent à, donc c'est un autre loi, c'est le cinquième. Non P ou Q. Si on met le tableau de vérité de P implique Q et le tableau de vérité de non P ou Q, on va trouver qu'on a le même tableau de vérité. On passe maintenant à notre loi. P équivalent à Q, qu'est-ce que ça veut dire? C'est équivalent à P implique Q et Q implique P. On passe maintenant aux lois de Morgan. Les lois de Morgan, la négation de P et Q est équivalent à négation de P et négation de Q. La négation de P et Q est équivalent à négation de P ou négation de Q. Donc ces deux lois sont les lois de Morgan. Nous pouvons démontrer l'une de ces lois. Par exemple, la proposition ou bien l'implication. Donc, prenons par exemple P implique Q. Donc, cette colonne sera consacrée à P, Q, non P, P implique Q. Alors ici, j'écris P, Q, non P.
P implique Q, non P ou Q. Alors, les possibilités qu'on a pour P, soit vrai, vrai, fausse, fausse. Alors pour Q, P vrai, Q vrai, fausse, vrai, fausse. Non P ici, P est vrai, alors non P, elle est fausse. P ici, vrai, non P, elle est fausse. P est fausse, non P est vrai. P est fausse, non P est vrai. P implique Q. On a dit que l'implication est toujours vraie, sauf si P est vrai, Q est fausse. Alors, elle est ici fausse, ailleurs, elle est vraie. Non P ou Q. Non P ou Q. Donc, on a ici une disjonction. Q est vrai, non P est fausse. Alors, la disjonction est vraie. Q est fausse et non P est fausse. Alors, la disjonction est fausse. Ici, Q est vrai, non P est vrai. Alors, disjonction est vraie. Q est fausse, non P est vrai. Alors, disjonction est vraie. Donc, vous remarquez ici qu'on a même tableau vérité. Alors, ces deux implications sont équivalentes. C'est-à-dire, P implique Q équivalent à non P au Q. Donc cette proposition, elle est toujours vraie, puisque ces deux-là ont même tableau de vérité, c'est-à-dire vrai, vrai pour l'équivalent, c'est vrai, faux, faux pour l'équivalent, c'est vrai, 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 c'est vrai, et vrai, vrai, c'est vrai. Alors cette proposition-là, c'est une loi, bien sûr, qu'on a démontrée.